Il a découvert le championnat grec cette saison et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été incontestablement une des pièces maîtresses de son équipe durant cet exercice. Mohamed Madi Camara à l'Olympiakos, c'est une saison 2018-2019 presque parfaite. Arrivé de l'AC Ajaccio en France, Madi s'est vite imposé comme titulaire dans l'entrejeu de la formation de Pirée. À l'issue de ses trois premiers matchs en championnat, c'est un but et une passe décisive pour le milieu de terrain de 22 ans. Du talent, Pedro Martins en a vu chez Madi et continue de l'aligner match après match. L'ancien du Saint-Thomas enchaîne les apparitions et inscrit son deuxième but face à Atromitos, puis le troisième contre l'AEK Athènes. À la fin de la Super League, le joueur du Sili National se retrouve avec 6 réalisations à son actif, dont une face à Larissa lors de la dernière journée. Mohamed Madi a également disputé une compétition européenne cette saison, des matchs de barrage en 16e de finale en passant par les phases de groupe. Le natif de Matam était dans les rangs de l'Olympiakos en Ligue Europa. En 6 apparitions en phase de poule, Madi est auteur d'une passe décisive en C3. C'était lors de la large victoire 5-1 face aux Luxembourgeois de Doudlange. Deuxième du championnat derrière le PAOK, Madi et l'Olympiakos ont validé la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Auteur d'une saison remarquable, l'international guinéen a même suscité la convoitise d'autres formations européennes. Restera-t-il avec les Rouges et Blancs de Pirée la saison prochaine? La CAN 2019 à laquelle il devrait prendre part avec le Sili National pourrait être déterminante pour la suite de sa carrière.